Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode, toujours hardcore, toujours chasseur de progrès, toujours sans dormir et avec des nouveaux modes. J'ai copié un peu Roi Louis qui a mis FreeCam qui permet de passer en appuyant sur F4 en mode un peu spectateur. Ça permet de faire des petites vidéos un peu plus sympas. Voilà, et de ne pas être dans ma tête systématiquement. On appuie sur F4 et paf, on est de retour. L'autre petit mode que j'ai rajouté, parce que c'est quand même bien pratique, pour vous montrer, eh ben, c'est une Xaeros Map, voilà, qui permet de voir un petit peu tout ce qu'on a déjà fait. J'ai aussi activé la minimap, mais vous voyez que là on voit les entités a priori. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas si on peut cliquer dessus, je sais pas si on peut zoomer dessus. Je la découvre, hein, cette map. L'idée, c'est juste d'avoir une petite map qui nous montrera l'ensemble de tout ce qu'on a exploré. Non pas pour tricher, mais et pour ne je n'éviterai pas pour autant de faire la carte, les progrès autour des cartes et du cartographe, et de faire de la cartographie in-game. Mais voilà, ça permet de gagner du temps pour vous montrer vite fait voilà, tout ce qu'on a déjà vu. Avec voilà, on voit en plus le biome sur lequel on est. C'est un petit peu mieux que la map qu'on fera de toute façon. Au fur et à mesure, donc tout ça, je vais le mapper. Ah si, Océan Chaud, je me rappelais plus. Ah bah oui, ça me permet de me faire un petit pense-bête. Et pourquoi j'ai fait tout ça? Bah parce que je me suis dit que pour terminer la semaine, on manquait de bois régulièrement et j'aimerais trouver du sapin. Donc ce que je vous propose, tiens, un petit progrès, juste pour commencer, comme ça, une petite statistique. Et bah ça fait 50 km que j'ai marché déjà. Eh ben c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc oui, je disais, on va partir en balade. Il y a le chat qui est là. Oh, bon, allez, tant pis. On va laisser le chat tranquille. Donc bah non, je suis bête, on peut passer par le Nether. On a fait un petit passage par le Nether. Ça va me permettre de voir, tiens, si mes lianes ont poussé. Eh ben non, ça marche bien, ma ficelle. Ok, nickel. Ça me permet de passer dans mon petit tunnel sans trop me prendre la tête. C'est quand même plutôt sympa. Donc on va passer par le Nether pour aller vite fait à l'autre village. On va pas prendre le casque en or. Et puis on va vider. Non, on est bien. Côté inventaire, on va peut-être pas trimballer une pioche pour rien. J'ai plus de place. Donc on va la mettre dans l'équipement. Oh là, j'ai plus de place non plus dans l'équipement. Celle-ci, j'ai pas vraiment besoin de la trimballer non plus. Ceci dit. Ouais, et on va prendre une des selles. On avait dit qu'on allait essayer d'apprivoiser un cheval, tiens. Aussi, tant qu'on y est. Bon, on va pas prendre les chevaux juste à côté de chez nous. On va choisir la difficulté, on va partir en expo. Bon, mon objectif, c'est le bois. Donc, je voudrais trouver du sapin, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'avec des pousses de sapin, je pourrais faire pousser des sapins de 4 de large. Et pour farmer le bois, ça va nettement plus vite quand même qu'avec le chêne. Et régulièrement, je manque de bois, donc ça m'agace. Donc, l'idée, c'est d'aller explorer. Il me semble que, selon la map, l'endroit où j'ai pas exploré, c'est à l'est. On va re-regarder, hein. Hop! Oh! Bah tiens. Du coup, j'ai une map chelou, là. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit? Bah, il fait pas nuit, pourtant. Bah non. Tiens, d'ailleurs, hop! J'avais oublié d'enlever ça, ce qui empêchait éventuellement. Maintenant que j'ai... Bah oui, maintenant que j'ai mes deux villageois récupérés, j'ai plus besoin. J'ai enlevé les lits? Ah, j'ai enlevé les lits. C'est donc c'est plus très gênant s'ils viennent par là. Hop. Voilà, on va essayer de faire un truc propre, un de ces quatre. Ouais. Alors, explo, on a dit. Explo. Bonjour, monsieur. Explo. Allez. Et donc oui, pourquoi du sapin pour avoir plus de bois? Voilà. Ah oui, sinon je voulais vous montrer la map. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, ici j'ai pas exploré, donc à l'est. Donc on va partir à l'est et puis on va voir ce qu'il y a, puisque j'ai pas fait beaucoup d'explos dans cette direction-là. Et je trouvais que c'était bien pour finir la semaine de changer un petit peu les idées en allant se promener. Tout simplement. Bon, si je veux faire une usine à moutons blancs, j'ai même pas besoin de retarder mes moutons noirs. Je viens d'en voir un petit lot. Alors, je suis parti avec assez de bouffe. Hein? Pas tant que ça. Tac, 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 on descend par là. Hop. Donc là, il y avait de la forêt, donc déjà, je pourrais avoir plus de bois, mais je voudrais du sapin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais trouver du sapin. Il faut aussi que je fasse du bateau, donc accessoirement. Oh, tiens, ça a mal despawné là où. Ah, bah tiens, on récupère de la pousse. Comme je m'étais écarté, ça n'avait pas fini de despawner. Et ben, pas grave, on continue.
on continue. Au moins, j'aurai récupéré des pousses de sapin. Et puis, si on croise des chevaux, eh bien, on va essayer d'apprivoiser un cheval. Ce sera toujours un progrès. Puis, ça nous permettra peut-être d'aller plus vite dans notre déplacement. Même si les chevaux ont un inconvénient, c'est qu'ils ne savent pas nager. Et on peut pas les mettre dans un bateau. Donc, c'est un... Sinon, ce serait pas mal, hein, si on pouvait mettre le cheval dans le bateau. Ça nous permettrait... Oh là là. Oh, il y a un autre village. J'hallucine. Je viens de le voir du coin de l'œil. Un troisième village, sans déconner. Mais de... Ah, par contre, là, il y a du marais. Alors ça, c'est intéressant, parce que si on avait une petite cabane à sorcières... Il y a des progrès à faire avec les cabanes à sorcières. Oh, j'ai vu un papillon. Ah, bah voilà, en fait, il faut se promener pour voir les papillons. Il y en a quand même pas beaucoup, hein. Il faut que je regarde dans les réglages du mode si je peux pas en mettre plus. Là on a de l'argile, un petit marais, ça c'est bien, un petit marais. Ça nous permettra peut-être plusieurs progrès, ça se permettra aussi de trouver du slime. Tiens, je viens d'y penser, pour faire des pistons collants. Et oui, il va falloir qu'on vienne fight la nuit ici. Essayer de trouver du piston. Oh, il y en a une en plus. Sans déconner. Alors, il y a un truc qui est bien dans la Xairos map, c'est qu'on peut mettre des waypoints, sauf que je ne sais pas les mettre. Donc, on va regarder avant d'aller jusqu'à la sorcière. Option, contrôle, assignation des touches, tuk 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 tuk, replay mode, Xairos minimap, agrandir la mini-carte, je m'en fous. Nouveau point de navigation, B. Ah, ça ne m'arrange pas parce que B est déjà pris. On va prendre O. Non, déjà pris. W, n'en parlons même pas, il doit déjà être pris. Bah oui. Changer l'éclairage ou agrandir la mini-carte. Ah bah ça me va, ça. Ah oui, mais du coup, ça va agrandir la... Ouais, mais je m'en fous, j'utilise pas la mini-carte. Ouais, c'est pas mal, ça. On peut mettre Y aussi, puisque Y n'est pas pris, apparemment. Ah bah non, point de navigation, U. Ah oui, c'est pour les voir. Donc là, je préfère U. Non, hop, U. Et là, je pourrais mettre... c'était quoi qui était? C'était P? Non, P est déjà pris. Ah, mais on s'en fout, c'est pour le replay. Donc, impec. Point de navigation P et nouveau point de navigation U. Voilà, ça devrait marcher, ça. On va voir. C'est pas très grave, c'est juste un petit test. Alors, attention, parce qu'il y a peut-être une petite sorcière dans les parages. Et la sorcière, ça m'a déjà tué une fois. Ah, elle est jolie, cette petite hutte de sorcière, là. Tiens, elle est là. Elle est là, la petite sorcière. Et elle m'a vu! Punaise! Elle a une belle portée, elle, hein. Allez, utilise tes potions de soins. Hop! Voilà! Des bonbons ou un sort, un petit progrès de plus. J'ai vu du noir là-bas, c'est quoi? Un chat noir! Bah oui! Ah oui, mais j'ai pas de poisson avec moi. J'ai pas de poisson avec moi. Est-ce qu'il y a du poisson dans le marais? Est-ce qu'il y a un petit peu de poisson? Un petit peu de poisson, s'il vous plaît. Non? Le chat noir de la sorcière, ce serait quand même dommage de ne pas l'apprivoiser. Ah, mince. On va peut-être trouver des grenouilles aussi. Oh, une libellule. Oh, c'est cool. C'est trop cool. J'aime beaucoup ce mode. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais elles se font mériter, mais c'est sympa. Écoutez, le chat noir, je vais le laisser tranquille, du coup. J'ai tué ma sorcière. De toute façon, elle va respawner. Ah oui, j'ai pas mis mon waypoint, mince. C'est ça que j'ai pas fait. Zut, mais on y retourne alors. On y retourne quand même. Une belle petite grotte par là. De la canne à sucre, en voulez-vous. En voilà. Sympa ce petit marais, il est très très sympa, avec plus de libellules et de papillons. Donc ça doit dépendre des biomes. Ça doit dépendre des biomes. Alors la petite hutte de sorcière, on va quand même la visiter. Hop, maintenant qu'on a tué son occupante, surtout que c'est un autre progrès, yes! Alors U, voilà, donc là on peut lui mettre un nom, donc on va pouvoir mettre cabane, sorcière. Voilà. Et on confirme. Nananananananana. Voilà. Comme ça, on a un petit waypoint ici. Et quand on fait la carte, eh bien, voilà, on verra cabane de sorcière en pointant dessus. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est une petite fonctionnalité qu'on n'a pas avec l'autre map. Ah, si, on peut mettre un drapeau.
Ouais, si. Ouais, c'est un peu cheat, hein, du coup, c'est vrai, j'avoue. J'avoue, tiens, ça c'est sûrement un progrès de récupérer ça. On verra. C'est peut-être que je l'enlèverai, peut-être que vous me direz de l'enlever, on verra. C'est quoi tout là-bas, là? On dirait le zoom, c'est pareil, hein. Je me l'autorise alors qu'il y a la longue vue maintenant. Donc, un petit mouton marron, voilà. Oh, des grenouilles! Il faut vraiment qu'on trouve du slime pour pouvoir apprivoiser ces petites bêtes-là. Voilà. Ça, c'est cool, hein, le... Oh, plein de libellules partout, ça, j'adore. J'adore ce mode. Allez, on continue à explorer. On a fait... Hop là! Je regardais ailleurs, j'ai pas vu lui. Failli faire une do-win. Alors, là-bas, ça a l'air d'être complètement farfelu, le biome. Et ça sent encore de la savane, ça. Donc, ouais, non, ça m'intéresse que moyennement. Ah, par contre, je vois une structure là-bas. Y aurait-il une deuxième? Donc, je suis pas allé voir, hein. J'avais vu un village, mais... Et je suis pas allé voir. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on aurait une deuxième cabane de sorcière. Alors, la suite de l'explo va se passer en nocturne, donc il va falloir être un peu prudent. Est-ce que c'est un village ou c'est... Ça ferait le dernier un quatrième village. Je suis vraiment verni en village, hein. Non, c'est une deuxième cabane de sorcière, dis donc. Est-ce qu'elle est dedans? Non. Où est-elle? Elle est chelou cette cabane de... Ah! Elle est là. Allez, bam. Bam, bam. Eh, je ne cache pas derrière les lianes. Ah, sale bête. Ah, elle m'a mis une saleté de potion là. Elle m'a empoisonné. Méchante. Méchante. Tiens d'ailleurs, c'est l'occasion. Non, c'est plus l'occasion. Trop tard. Eh ben, on va remettre un cabane sorcière 2. Voilà, deux cabanes de sorcières. Vous savez qu'on peut faire en plus des usines. Hein. C'est quand même assez dingue. Hop, ok. Alors, on va partir en nocturne. Est-ce que je reste dans le marais et je me fais du slime? Ou je vais voir par là-bas parce que j'avais aperçu un village de l'autre côté là-bas. Pour l'instant, c'est par contre chou blanc sur le sapin. Sur le sapin, on est mort là. Il n'y a rien. Rien de rien. Pas un sapin à l'horizon. Ce qui m'embête parce que dans la taïga, on a aussi un truc avec l'archéologie à faire. Donc ça fait encore un truc qui se complique dans les progrès. Mais c'est pas étonnant, hein. On est sur des biomes secs avec les dernières mises à jour. On n'a plus des trucs totalement tordus comme trouver une taïga juste à côté d'un biome très chaud. Ah ouais, on le voit même en plus. Ah ouais, ah oui, c'est quand même c'est pas mal. C'est peut-être un peu too much triche. Vous me direz votre avis en commentaire, voilà, vous n'hésitez pas. Ça ne veut pas dire que je l'enlèverai, mais je écouterai quand même ce que vous avez à en dire. Enfin, je lirai. Est-ce que j'en tiendrai compte? Ah, that is the question. Ah mince, j'avais oublié les fantômes. J'aurais dû peut-être apprivoiser un chat en fait. Hop. Bon, je pense qu'on va aller se taper du slime, hein, si j'arrive pas à traverser là. Hop. Je cours, je cours, je cours. Je comprends pourquoi Roi Liu il a mis ça, parce qu'il a un sens d'orientation déplorable. Donc, j'aurais été à sa place, j'aurais sans doute fait pareil. Oh, mince, j'ai pas de nonos. Eh, j'ai toujours pas apprivoisé de loup. Je me barre pas. J'essaye de faire de la place dans mon inventaire en partant, et du coup, je me barre pas avec tout le nécessaire pour apprivoiser et tout ce qui va bien. Je le trouve pas, le fameux village. Ah, par contre, j'ai trouvé le sapin! Ouais, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Enfin, chercher là pour le coup. Hop! J'ai trouvé du sapin! Donc, on a trouvé peut-être pas la taïga, mais. Ce serait bien parce que dans la taïga, donc on peut faire encore de l'archéologie. Alors déjà, on a trouvé du sapin. Donc on va essayer de récupérer de la pousse. Hop. Ah, c'est bien une hache efficacité 4 quand même. Ça va drôlement vite. Alors, une petite araignée qui m'en veut. Oink, oink. Boum, boum, tennis. Spider tennis. Alors, est-ce que c'est une grande taïga ou c'est juste un peu de sapin? Ah, du zombie. Du fantôme aussi, je les entends. On va pas rester du coup. Aïe, ils m'ont trouvé quand même.
Ouais, c'est un petit peu abusé quand même de voir. Faut que je vois pour enlever certaines options du Xaeros. Parce que là, ça vous donne carrément la direction où aller. Ok, mais moi, il faut que je récupère les pousses là. Faut pas que je m'éloigne trop. Je voulais juste voir si c'était une grande taïga, mais ça a pas l'air. Est-ce qu'elle tombe mes petites poupousses? Une petite poupousse de sapin, s'il vous plaît? Non? Bah écoutez, normalement, avec fortune, on récupère plus de pousses. Alors, c'est parti. Eh ben, pour l'instant, c'est mort. J'ai pas une pousse. Par contre, toi, mon petit gars, si tu veux venir là, c'est que tu veux mourir. Hop, voilà, ça t'apprendra. Et j'ai pas une seule pousse de sapin, je rêve. Moi aussi, j'en ai trois. Je les ai pas vus, c'est tout. J'en ai trois. Impec. Alors, puisqu'on va, on est par là, on va essayer de voir si. Hop, 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 une autre araignée. Si on voit. Ah, mon épée est plus efficace. J'aurais dû la garder en main. Oups là, là. Ah! Attention. Hop, voilà, soin intensif. Ça tombe bien parce que là, je sais pas ce qui me tapait. Ça devait être les fantômes, je pense. J'espère. Mais ça piquait. Voilà, comme ça. Ah, j'avais pas vu que j'avais récupéré de l'arme de ghast. Mince, en faisant les potions, j'ai eu des bonus. Ah, c'est ballot ça. C'était un squelette, non, qui m'attaquait. Bah oui, je m'en doutais. Est-ce que j'arrive à me le faire, lui? Pah! Eh ouais, petit bonhomme, hein, tu croyais pas à ça. Bah tiens, boum! Ah, mon arc, il commence à être bien, hein. Il manque infinité. Et du coup, j'ai des petits nonos. Je vais pouvoir retourner voir les loups. Oh, des lamas. Ah, papa, 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 papa. Un bébé zombie. Je déteste les bébés zombies. Je déteste les bébés zombies. Mais j'ai une bonne épée maintenant. Rigole moins, le bébé zombie. Des lamas. C'est ballot, ça. Alors, ça, c'est cool, par contre. De savoir qu'il y a des lamas par là. Écoutez, ce qu'on va se faire, c'est un petit waypoint. Hein? On va continuer notre logique. Lama. Voilà. Comme ça, on sait qu'on viendra pour les lamas par ici. Ah, c'est sympa ici quand même. On trouve plein de choses. Du lama. Des nonos. De la neige. Qu'on va récolter. Parce qu'on aura besoin pour faire un petit bonhomme de neige. Un petit golem de neige. J'ai entendu un truc. Hop! Allez, je suis pas mal en chasseur de mobs aujourd'hui. Ok, c'est pas de la taïga, mais c'est sympa quand même. C'est pas de la grande taïga là. Allez, j'ai combien de pousses là? Parce qu'il m'en faut 4. J'ai même pas percuté que j'en avais pas pris assez. J'ai même pas percuté. Hop! Bon, j'aurais pu après en planter qu'un et puis attendre que d'avoir quatre. Mais tant qu'on est dans le secteur, profitons-en. Sympa par ici. Ah, je pense que si j'avais bougé, j'aurais peut-être fait ma base dans le coin. La montagne me plaît plus que la savane, donc j'aurais sûrement plus migré dans ce secteur. Qui me plaît beaucoup. Là-bas, je vois de la lumière, c'est de la lave, ok. Ah, faut que je fasse gaffe à la poudreuse aussi, tiens. À pas me mettre dans de la poudreuse. Enfin, quoique, c'est sûrement un progrès. J'ai mes... Ouais, j'ai 6 pouces, allez, c'est bon. On est bien. Écoutez, j'ai bien envie d'aller plus loin quand même dans cette forêt. Il y a plein de lamas. Et pour les reproduire, il faut de la paille. Et pour les emmener avec moi, il me faudra des laisses. Ouais, bon, on va arrêter les mobs là. C'est bon, ils me fatiguent. J'ai plutôt envie d'explorer par là. Ou de retourner à la cabane de sorcière. Maintenant que j'ai mon sapin. Hop là! Petit squelette des familles. Bam! J'ai récupéré d'autres nonos. Hop, papa! Re-squelette des familles. Aïe, ça pique. Et il y a le zombie là qui m'arrive dessus aussi. Ça m'embête. Parce que quand je suis occupé déjà avec le squelette. Hop, t'es où le squelette?
C'est là. Hop, voilà, encore un peu de nanos, très bien. Écoutez, on va retourner vers la cabane de sorcière, donc vers le marais. Comme ça, on va peut-être... Alors moi, c'est pas trop cheat d'avoir les waypoints comme ça, parce que j'ai un bon sens de l'orientation. Je vous l'ai démontré plus d'une fois. Donc, on peut estimer que c'est juste un petit plus par rapport à mon habitude, mais quand même, j'hésite à les virer, ces trucs-là. Je vais pas les virer de nuit, c'est un peu dangereux. Hop. Alors, le marais, il est par là. Il y avait les toutous par là. J'aimerais bien avoir un peu de chance avec les loups. Là, ils sont là. Ah, les quatre. On a quatre chances pour que ça marche. Bon, lui, il veut pas venir. Donc, on va aller voir son... Bah, lui non plus. Mais revenez, revenez. Il se barre. Je pensais que celui-là venait vers moi, mais non, non plus. Ah, oh, une petite abeille aussi, décidément. Ouais, alors, des trucs moches, par contre, là. Minecraft, Mojang. Ah, toi, tu viens vers moi. Un, viens. Hop, un, deux. Yes, du deuxième coup, ça, c'est perfecto. Eh bien, tu vas venir avec nous, monsieur loup. Ok. Aïe, aïe, aïe. Et ton copain, il est où? Parce que tant qu'on y est, hein. Ah là là, je me fais des dégâts bêtes, là. Ah, mais d'où il sort, lui? Faut pas que j'y aille à l'épée, parce que sinon, c'est mon chien qui va prendre. Il y en a un autre derrière, c'est pas vrai. Punaise de zombie. Ok. Ah bah dis donc, l'épisode a filé, là. Alors, en expo, ça file tout de suite. Hein. Où est-ce qu'il est, le... Ah, il y a toute une meute là. Aïe, j'arrête pas de me faire des dégâts de chute. Allez. Yes, deux chiens, j'ai deux chiens. Allez, trois chiens, j'ai trois chiens et on va les reproduire, on va se faire une petite meute de chiens. Yes. Cool. Ça c'est cool. Allez, on rentre. On rentre. Hop. Du coup, j'aurais pas eu de slime. J'aurais pas eu de slime dans le marais. Alors, par contre, pour pas perdre mes chiens, il faut que je reste sur le sol ou que je fasse très peu de natation. Une petite grotte. Les trois chiens sont là. Ouais! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va plutôt aller par là, parce que je pense que si on traverse... je sais pas si je vais pouvoir traverser. Hop. C'est pas dit que j'arrive à traverser la montagne. Par là, peut-être. Youpla, youpla. Youpla, youpla, là. Allez, c'est la fin de la semaine. On va s'autoriser un petit débordement quand même. Retourner au moins jusqu'au marais. Hop, hop, hop. Hop, allez, on va y arriver, on va y arriver. Pique. Attends, les moutons. J'ai pas trouvé le fameux village. Je l'ai vu du coin de l'œil pourtant, mais je suis presque sûr qu'il y avait un village chavane pas loin. Alors, le marais, il est par là. Bon, je pense que c'est trop tard pour les slimes. Youhou! Manger. Tiens, d'ailleurs, hop, tic, tac, tic, tac, voilà. Voyons faire des bébés, et hop, un petit progrès de plus, on est à combien là? On est à 266, une bonne semaine en progrès. Là, on a bien avancé sur les progrès, ça c'est cool. C'est quoi ça? Non, c'est un mouton. Attention, c'est bon, j'ai quatre chiens, on va se calmer, hein, on va se calmer. On va se calmer, monsieur, avec les chiens. Hop. J'ai pas de poisson pour son chat, ça c'est ballot. Petit chat noir, je l'aurais bien apprivoisé quand même. Le petit chat de la sorcière. Il n'y a pas un poisson quoi. Ok, écoutez, ça me perturbe quand même ces histoires là. Option, non c'est pas là-dedans, échappe, mode. Ça doit être sur celui-là. Non, ça doit être sur celui-là.
Par rapport au World Waypoint, est-ce que je peux... Ouais, je veux les voir là, mais je veux pas les voir en marchant. Next. AutoCAD, mode minimap, pop, tout ça, je m'en fous. Map téléporte commande. Quoi, il y a ça en plus? Ah, il fait vraiment trop de trucs. Arrow color. Bah non, ça va pas être dans celui-là, alors ça va être dans minimap. Les view settings. C'est pas là. Non, c'est pas là. Information, mini carte, bloc map, setting, peut-être là. Bon, et ben, si quelqu'un connaît ce mode et veut me dire comment on les affiche, multi-world détection, téléportation, sûrement pas. C'est quoi transfert? Ah oui, ok. Comment on fait pour ne pas les voir quand on marche? Comme là, par exemple. Là, ça me plaît pas. Ça m'enquiquine. Qu'on les voit sur la map, ça me dérange pas, mais là, ça me gêne. Faut que je trouve. Il faut que je trouve, ça va m'énerver. Ça va m'énerver cette histoire. Parce que là, par exemple, pour vous dire au revoir, et ben voilà, ça me plaît pas. Parce qu'il y a cabane de sorcière derrière. C'est moins sympa. Bon, et ben en tout cas, voilà, j'ai suffisamment débordé comme ça. Ça a été une semaine bien riche. Alors, ça se termine avec 4 toutous. Bah, ça se termine bien, du coup. Et puis on a quand même plein de trucs, hein. Voilà, on a nos 4 pouces de sapin et compagnie. Je vais rentrer avec tout ça. On va se retrouver la semaine prochaine avec pas mal de choses encore à faire. La chasse au progrès continue. Je ne suis pas encore mort, malgré que je suis dans la prise de risque assez souvent. Mais voilà, je vais aussi aller fermer les anciens débris. Je vais me faire des galeries. Alors ce que je ferai peut-être, c'est que je vais les trouver, mais je les minerai avec vous. Voilà, on va peut-être faire un truc comme ça. Et donc, bah, si ça vous a plu, on se dit à lundi. Si le cœur vous en dit, portez-vous bien. Ciao, ciao!